Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les humeurs magiques de la semaine, mais c'est particulier. Voilà, ça ne va plus ressembler vraiment à ce que vous avez eu jusqu'à maintenant au niveau des humeurs magiques. Parce que euh, nous sommes euh, passés depuis quelque temps dans un nouveau une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie planétaire, une énergie qui touche la conscience collective. Et euh, bah, vous l'avez remarqué ces derniers temps, euh, beaucoup d'entre nous sont en proie au désespoir, sont en proie à des humeurs euh, maussades, et encore j'emploie je, des termes euh, gentillets, je dirais, par rapport à ce que j'ai pu constater autour de moi et par rapport à moi-même aussi. Euh, où j'ai eu euh, dans les semaines passées euh, des moments de, de, profond, de, de profond découragement, de, de désespoir, de détresse. Euh, bon, moi, j'ai tout de suite inversé la polarité, mais je veux dire, c'est un exercice auquel je suis habituée, mais j'avoue que pour, pour beaucoup. La majorité des gens qui ont fait appel à moi, là, c'est très très compliqué. Hein. C'est une période très difficile. Euh, il se passe quelque chose de très puissant euh, qui avait été annoncé depuis euh, depuis très très longtemps. Euh, où là, nous sommes en proie à une espèce d'Égrégore qui est au-dessus de nous. Alors, la France, c'est une horreur en ce moment. Hein. Voilà, on, je, vous, je vous le cache pas. Euh, et qui euh, pousse vraiment, euh, je veux dire, notre conscience à aller vers des, des états de souffrance, de, de désespoir, de enfin voilà, qui qui sont totalement, je vous rassure, qui sont, on peut tout à fait inverser le processus. Sauf qu'il faut en prendre conscience. Il faut que vous vous rendiez compte, ce que je veux vous dire là, c'est que vous n'êtes pas tout seul en ce moment dans ce cas-là. Vous n'êtes pas tout seul à être dans des états de désespoir, d'être complètement perdu, de ne plus savoir ce que vous allez faire demain, si vous êtes sur le bon chemin, euh, si financièrement ça va aller. Bon, en plus, il faut dire que les médias, apparemment, moi je n'écoute pas la télé, hein, mais de toute façon, vous savez qu'on a toujours, même si on regarde pas la télé, qu'on n'écoute pas les infos, on a toujours des retours sur ce qui se passe. Et ce que j'entends, euh, les gens sont complètement angoissés, enfin euh, les médias mettent le paquet en ce moment pour en plus les enfoncer un peu plus, mais euh, il faut toujours que vous gardiez en tête, et ça c'est très important, que vous êtes des créateurs, vous êtes, vous êtes des répliques de l'esprit infini. Hein, et que tout comme l'esprit infini a créé, c'est-à-dire le tout a créé l'univers, les univers, parce qu'on n'a pas qu'un, vous êtes capable, vous, en tant que mini-réplique du <laughs> je veux dire, du tout, de créer votre propre univers. Et personnellement, c'est ce que j'ai commencé à faire cette semaine. Euh, quand j'ai vu que je commençais à tomber très très bas, euh, quasiment dans des états dépressifs, je me suis dit, c'est pas normal parce que c'est pas mon tempérament. Donc j'ai commencé à me dire, déjà, avant de comprendre d'où ça vient, je vais inverser le processus, c'est-à-dire, je vais remonter et je vais aller vers des fréquences beaucoup plus élevées pour pouvoir observer ce qui s'est passé. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, je me suis aperçue qu'effectivement, ça ne venait pas de moi, que c'était euh, quelque chose qui est en ce moment en train de se mettre en place et qu'on peut tout à fait, euh, comment dire, euh, restructurer et qu'on peut changer. Et je pense que si j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver aussi. Et comment, comment, ça, comment ça va se passer Alors, je vais vous y aider plutôt que de, de vous donner des humeurs magiques comme je vous les donnais, c'est-à-dire euh, euh, d'une manière très structurée, très. Parce que là, ça bouge tellement vite et c'est tellement fort qu'en fait, même euh, au jour le jour, il faut que ce soit vous qui réussissiez à changer les choses vous-même. C'est-à-dire que les choses, enfin le, le, le secours ne vient pas de l'extérieur, il va venir de vous-même et de votre connexion avec la lumière, avec votre, votre équipe de lumière. Donc on va plutôt euh, passer sur, euh, je veux dire, des, des, des états d'être. On, on va mettre en place des, des exercices magiques qui vont vous aider, vous voyez, à euh, passer au delà. De, de, de ce qui arrive en ce moment à transmuter les énergies, donc déjà on va commencer parce que là je blablate hein, c'est sûr il faut bien vous expliquer le pourquoi du comment on va commencer par mettre en place dès aujourd'hui un nouvel état d'esprit c'est-à-dire vous allez commencer et vous allez l'appliquer toute la semaine. Vous allez bien vous focaliser, on commence à se focaliser dès maintenant sur le plaisir on va commencer à inverser le pôle du de la détresse, de la souffrance, du désespoir, on va inverser, on va aller de toute façon vers le plaisir. Et le plaisir, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est-à-dire ce sont toutes les hautes fréquences vibratoires qui sont à l'opposé de ce qui se passe en ce moment. En fait, nous devons transmuter ce qui se passe. On doit le transformer. Et ça, on le peut grâce à la loi de la polarité. C'est-à-dire qu'on va passer du bas de l'échelle en haut de l'échelle. Et nous allons le faire grâce à notre volonté, grâce à notre façon, grâce à notre pensée, grâce à notre parole. C'est-à-dire que toute la semaine, là, on va commencer par... On va faire un petit programme, on va commencer par surveiller un petit peu ce à quoi on pense et ce qu'on dit. Et on va orienter nos gestes et nos actions sur le plaisir. Alors, ça va être une mise en place qui peut être assez longue, mais il faut bien commencer par quelque chose. Alors, nous allons cette semaine nous concentrer sur tous les petits plaisirs que nous avons dans la vie. Ça va être le premier pas cette semaine de, donc, de, du travail magique qu'on va faire ensemble. On se concentre sur les petits plaisirs de notre quotidien. Et puis, comme il faut occuper notre esprit à autre chose qu'à ce qu'on nous raconte et à la soi-disant crise et tout ça, parce que rien n'est irréversible et rien n'est définitif, hein, donc tout peut être changé, on va se concentrer aussi, bah, c'est vous qui allez faire des recherches, c'est pas moi qui va vous dire quand est-ce qu'il y a un vide de course cette semaine ou quoi que ce soit. Vous allez regarder quelles sont les phases lunaires, vous allez vous-même chercher un petit peu quelles sont euh, les influences de la semaine. Alors j'ai trouvé euh, sur internet un site très très chouette pour les vides de courses que je vais vous mettre en, en lien parce que bon moi j'utilisais un peu le site de la NASA avant mais après faut faire des et là j'ai vu un truc euh, quelqu'un m'a envoyé un lien c'est vraiment très bien donc je vais vous le mettre en dessous dans la barre donc vous pourrez aller même vous-même voir vos vides de courses maintenant et puis euh... <laughs> Je pense que je me suis bien pris la tête pendant des années, mais enfin bon. <laughs> C'est vrai que j'ai pas trop le temps d'aller furter à droite, à gauche, que quand on me dit fais ci, fais ça, là-haut, mais bon, là, ce n'était pas le cas. Donc là, vous allez pouvoir aller chercher vos vides de course. Vous allez vous bien sûr vous tenir compte vous-même des influences de la lune mais ça va vous occuper après tout. Ça va occuper votre esprit, ça va vous faire faire de la magie que d'aller voir quelles sont les phases lunaires. Alors vous savez sur les téléphones maintenant, il y a des super applis. Euh, J'ai découvert ça aussi. <laughs> mais ça je pense que vous le saviez avant moi. Il y a des applis pour les phases lunaires donc Télécharger une petite appli sympa. Et puis vous aurez vos phases de lune. Je sais que le 8, il y a le, Donc c'est la. Non, attendez, c'est le 8 ou c'est le 6. Vous voyez, je vous dis ça et je sais même plus. Euh, c'est le 6 avril, pardon, et ouais, la, la pleine lune de, de cette semaine. On a une pleine lune en plus, donc c'est génial. On va pouvoir travailler sur l'abondance et la prospérité pendant cette pleine lune de jeudi. On va vraiment voilà se, se mettre à fond dedans, jeudi. On va réclamer l'abondance et la prospérité. D'une manière toute simple, hein. là, on n'a plus le temps de faire des rituels, on n'a plus le temps de faire des des sortilèges. On s'en rend compte maintenant, de toute façon, et moi je m'en rends compte à travers mes cours que les gens n'ont plus le temps de faire ce qu'on a appelé la magie jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ces sortilèges, ces trucs. De toute façon, le mot d'ordre du moment, c'est de se détacher de tout ce qu'on a connu. Parce qu'on va vers une nouvelle, des choses nouvelles qu'on n'a jamais connues encore maintenant de notre vivant. Donc, il va falloir lâcher tout ce qu'on a connu et se plonger, plonger dans l'inconnu. Et l'inconnu, qu'est-ce que ça va être Eh bien, on va commencer cette semaine l'aventure de notre vie. On va devenir des quêteurs, on va devenir des aventuriers en quête. De notre trésor. On va partir en quête de notre nouvelle vie, de notre nouvelle façon de penser, de notre nouvelle façon de vivre la magie. Et la magie va devenir un acte quotidien, va devenir votre vie, va devenir la magie. Et. Pour cela, on va, comme je le disais, vraiment faire, commencer à prêter attention à notre façon de penser, à notre façon de parler, puisque c'est par la parole et la pensée que nous créons notre univers. Et grâce à nos pensées et notre parole, petit à petit, nous allons créer un nouvel univers. Notre univers à nous, notre univers propre. Parce que quoi qu'il arrive à l'extérieur, sachez que nous avons le pouvoir de créer notre propre univers et ça c'est une réalité tout le reste est illusion. Donc commençons dès aujourd'hui à focaliser sur les plaisirs quand vous allez préparer votre café, quand vous allez boire votre café, quand vous allez vous occuper de vos enfants, quand vous allez regarder votre chien, quand vous allez caresser votre chat, quand vous allez regarder votre film préféré, quand vous allez lire un livre, savourez cet instant pleinement aujourd'hui. Allez y, prenez le temps vraiment de vous rendre compte de prendre conscience que ce que vous faites là est du plaisir et si ça n'en est pas eh bien soit vous arrêtez soit vous le transformez en plaisir posez-vous les bonnes questions est-ce que je fais me rendre heureux oui ou non sur le moment si c'est pas le cas alors soit vous pouvez le transformer en plaisir si vous cherchez une autre façon par exemple vous buvez votre café puis il est pas enfin, il vous plaît pas c'est pas du plaisir alors Comment est-ce que vous pouvez le transformer pour qu'il devienne un plaisir Vous rajoutez un peu de sucre, un peu de café, un peu d'eau, et ça devient du plaisir. C'est ça l'alchimie. En fait, c'est savoir transmuter quelque chose de bleu, en quelque chose de waouh, voyez Et c'est possible pour tout le monde et d'une manière très simple. Vous commencez à lire un bouquin parce que vous vous ennuyez, est-ce que c'est du plaisir Bah celui-là, non, bof, bon, ben je vais en chercher un qui va me donner du plaisir, j'en ai pas j'ai pas de livre là que j'ai vraiment envie de lire. Je trouve une autre activité. Ou je vais lire quelque chose sur Internet. Il y a plein de, de livres qui n'ont euh, plus de droit d'auteur, des vieux, des vieux ouvrages. Et il y en a qui sont excellents. Il y a plein de romans de Jane Austen qui sont maintenant en, en, en lecture libre. Il y a plein de choses qui vont faire, vous faire rêver. De toute manière, là, on va focaliser sur le rêve. On va focaliser sur ce qui va nous faire. Penser autrement. Attention, on n'oublie pas ce qui se passe. On n'oublie pas ce qu'il y a autour parce qu'on vit dedans. Hein. On ne fuit pas la réalité. On la transforme. C'est quelque chose de totalement différent. On en a conscience et c'est pour ça qu'on la transforme. C'est parce qu'elle ne nous convient pas. Parce qu'étant donné qu'en ce moment la conjoncture planétaire nous force à penser en termes d'unité, nous allons, même à notre petite échelle, pouvoir apporter à la conscience collective un changement. Vous voyez ce que je veux dire la petite pierre qui fait ses petites éclaboussures dans l'eau et qui peut répandre beaucoup de magie autour d'elle alors faites attention à ce que vous pensez si vous voyez que vos pensées sont négatives et tout et eh ben changez-vous tout de suite les idées sur facebook là j'ai donné aujourd'hui un exercice à faire très facile et super cool euh, vous pouvez aller voir sinon bah ben voilà en fait aujourd'hui je vous ai demandé je vous le dis là sur la vidéo euh, par exemple d'imaginer qu'on va partir en voyage parce que moi, je m'inclus dans le truc. Hein. Alors moi, j'aimerais partir en Grèce. Bon, vous, je ne sais pas où vous voulez partir. Eh bien, je vais préparer un petit dossier comme si je voulais partir en Grèce. Et je vais imaginer que je prépare ma valise comme si j'allais partir en Grèce. Ça va être mon truc d'aujourd'hui, mon exercice magique d'aujourd'hui. Parce qu'en plus, je veux vraiment partir en Grèce un jour. Et je me dis qu'en faisant ça, ben non seulement aujourd'hui, je vais transmuter... Mes pensées en pensée créatrice de quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, donc il y a des grandes chances que j'arrive en plus à partir en Grèce plus vite que je ne pense, mais en plus, ça va apporter à mon égrég... à mon, je veux dire à mon aura de la joie, du plaisir, du bonheur, et donc ça va réélever mes vibrations, améliorer ma santé, et je vais passer au dessus, surtout de cette vibration basse qu'il y a en ce moment. C'est qui va me permettre d'observer ce qui arrive autour de moi sans que cela m'atteigne, et donc de pouvoir entendre la voix de mon cœur, qui, elle, va me donner la marche à suivre, et surtout me montrer les signes que l'univers, la source Dieu, appelez comme vous voulez, met sur mon chemin. Parce que tant qu'on reste en bas dans la, dans la boue, on ne peut pas voir les signes que l'au-delà nous donne pour avancer dans la lumière. Donc sortons de cette boue en alimentant nos pensées et notre vie d'actes et de, et de, de, de pensées. Vraiment, qui nous donne du plaisir. On focalise sur le plaisir, le plaisir, le plaisir toute la semaine. Et toute la semaine et tout et maintenant sur Facebook, je vous donnerai donc très régulièrement des petits exercices magiques à faire pour vraiment élever les taux vibratoires grâce à des choses mais très simples qu'en fait on fait des fois même sans s'en rendre compte, mais sur lesquelles là on va concentrer notre pensée pour sortir de ce marasme. Et si on le fait, ça peut avoir vraiment des conséquences parce que vous savez très bien que ce sur quoi on se concentre crée la réalité. Imaginez des millions d'humains en ce moment qui pensent à la crise, qui pensent à tout ce qui se passe d'horrible. Qu'est-ce qui se passe Ça en attire encore plus. Donc il faut qu'on s'unisse maintenant le plus possible pour créer l'inverse, pour transmuter. Sachez que ce que vous faites n'est jamais inutile. Même un tout petit grain de sable, vous savez que dans le, le, notre organisme humain, la, la plus petite bactérie peut nous tuer. Parce qu'elle elle peut... Contaminer les autres. Eh bien là, c'est pareil. Imaginez que vous, vous êtes une petite étincelle de lumière qu'on met dans un océan debout. Et là, votre lumière, elle peut se répandre, paf, paf, autour de vous. Parce que les gens vont vous voir heureux, vont vous voir avoir du plaisir, ils vont vous voir vous transformer. Et là, qu'est-ce qui va se passer Ils vont avoir eux aussi envie d'être, de changer, de connaître ce plaisir. Alors vous allez leur dire comment vous faites. Et ils vont le faire et cette petite lumière la toute petite au milieu de la boue va transformer cette boue en un univers de lumière. Il faut y aller parce que maintenant c'est ça la vraie magie. C'est ça que l'au-delà nous demande de faire, que nos guides nous demandent de faire. On n'a plus le temps de faire des rituels des sortilèges compliqués. Il faut qu'on apprenne à se connecter, se connecter aux guides, se connecter à la nature, aux esprits de la nature et puis aux anges, aux archanges, aux esprits de lumière parce que c'est eux qui restent nos piliers. Et en ce moment, c'est eux qui vont nous envoyer les signes pour nous sortir de tout ça. Donc, pour les entendre, ces signes, pour les voir, on doit ralentir, être dans le présent et dans le plaisir, la joie et l'amour. Alors, concentrez-vous sur tout ça. Donnez de l'amour le plus possible. Quand vous vous sentez triste, souriez simplement. Le sourire peut changer beaucoup de choses. Voilà ce que je vous recommande de faire pour la semaine. Alors. Je vous souhaite euh, bah, un très bon, une très très belle journée déjà. Euh, je vous souhaite euh, c'est pas un poisson d'avril. Hein. <laughs> je vous le dis parce qu'on est le 2 avril, on ne sait jamais que vous pensez ça que c'est une blague. Non, non, c'est pas un poisson d'avril. Hein, c'est vrai. <laughs> c'est vraiment la nouvelle démarche que je vais adopter maintenant. Je vais vraiment mettre tout mon cœur pour essayer qu'on se vraiment, à ma petite échelle, d'aider au maximum à ce qu'on sorte de, cette, de, de, de toute cette chose-là. J'y arrive très bien, là, franchement, ça marche très bien. Alors, c'est pour ça que je veux vous, vous donner cette impulsion à vous. Voilà. Donc, bah, c'est tout. Ouais. <laughs> voilà, bah, je vous retrouve très vite donc, pour, pour de nouvelles aventures magiques. Alors, des petites chroniques, peut-être dans la semaine, il hein, n'y a pas de souci. Et euh, eh bien sinon, donc, euh, lundi prochain. Nous verrons pour des nouvelles, euh, enfin dimanche ou lundi prochain, suivant quand je vais le publier, nos nouvelles humeurs de la semaine. Voilà. Alors euh, là, c'était un peu à brûle pour point parce que c'était vraiment une demande de mes guides, des guides, enfin pas de mes guides, des guides que je vous transmette ça. C'était un peu brouillon, mais je sais que dans mes paroles, ils ont transmis des mots-clés qui vont déverrouiller certaines choses chez vous parce que c'est la première. Et puis pour la semaine prochaine, il y aura certainement des petits exercices magiques à mettre en place dans la semaine. Très simple comme. Vous allez voir, c'est des choses que vous pouvez faire tous les jours, c'est à, à tous les niveaux. Je veux dire, ça touche tout le monde. Il n'y a pas d'avoir de, 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 euh, un niveau débutant, machin, truc. Non, non, là, on ne parle plus de ça. Il y a urgence, il y a une grande urgence. Donc, tout le monde, même les enfants, pourront faire ces exercices. Voilà. Donc, je vous embrasse, je vous sers contre mon cœur, je vous aime très fort. Et puis, tout va bien se passer. <laughs> je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vous embrasse très fort, encore une fois. A très vite et surtout prenez soin de vous et soyez heureux.